Benoît Léniel, je suis vice-président de l'Université de Rouen Normandie en charge du développement durable et co-président du GIEC Normand. Le changement climatique en Normandie est déjà une réalité. On va aller vers une augmentation de tous les ce qu'on appelle les événements extrêmes. Vagues de chaleur, sécheresse, inondations, recul du trait de côte et aussi des impacts sanitaires qui sont liés aux vagues de chaleur et aux inondations. Il n'est surtout pas trop tard pour agir. Les deux maîtres mots, c'est d'essayer d'atténuer au maximum les effets du changement climatique en diminuant les émissions de gaz à effet de serre pour justement s'adapter. Il y a toute une série de mesures qu'on peut mettre en place de façon structurée et coordonnée avec tous les acteurs du territoire. Alors le GIEC Normand, il a été mis en place à l'initiative de la région Normandie et de son président. Est-ce que le changement climatique a des effets en Normandie? C'est le GIEC Normand qui l'a démontré. Et quelles sont les projections? Et la deuxième étape, c'était pour justement sensibiliser les acteurs du territoire pour justement réfléchir ensemble à ces fameuses mesures d'atténuation et d'adaptation. En 5 années, il y a vraiment une sensibilisation importante. Je suis optimiste parce qu'on a toute une série de mesures qu'on peut mettre en place. Et je sens que les acteurs sont prêts à y aller.